I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Hey! 'Cause all my life you have been faithful. Oh, yes, you have. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after. Avant que abusé, parce que les événements devraient commencer si longtemps, mais vu que nous-mêmes, c'est parce que nous avons un événement malheureux qui a frappé la famille Masela, dont sa sœur Aïcha Masela est une de notre communauté catholique de Dallas. Elle est chanteuse dans notre chorale. Comme c'est un moment fort pour un chrétien, un moment de doute de l'amour du Christ, un moment qui vient secouer notre foi en se posant tout un questionnement. Est-ce que le Seigneur nous aime-t-il? Est-ce que le Seigneur existe-t-il? Est-ce que réellement il y a l'amour de Dieu? Si réellement le Seigneur nous aime, mais pourquoi a-t-il permis à ce que notre papa puisse nous quitter? Si le Seigneur est vraiment là, mais pourquoi il n'a pas pu guérir notre papa de cette maladie qui l'a amené jusqu'à la mort? Autant de questionnements que nous avons qui vient secouer notre foi, qui vient mettre le doute pour faire atténuer notre foi. Exactement, papa est parti. Ça crée un vide. C'est ce qui est en train de nous affaiblir. C'est ce qui chagrine notre cœur. Nous avons vu le Seigneur lui-même, quand il a perdu son ami Lazare, il a pleuré parce qu'il s'est mis dans son étang d'un humain. Il a senti en lui un vide parce que son ami est parti. C'est ce vide-là que nous avons ce soir. C'est ce vide-là que nous avons dans la famille Masela, parce que papa Pascal Masela nous a quittés. Et c'est un moment où quelqu'un qui est dans la douleur a besoin de réconfort. Mais comme Dieu est le temps, est le maître de temps et de circonstances, et à chaque circonstance, il nous est recommandé de dire merci au Seigneur. C'est comme ça qu'on n'a pas pu commencer ces événements
ça commencer par la prière et remercier le Seigneur, lui dire que quand bien même ce qui nous arrive, nous reconnaissons ton amour, nous reconnaissons ta grandeur et que c'est toi qui as donné et que c'est toi qui as repris. C'est comme ça que je vais vous demander de vous tenir debout. Nous allons prier le Seigneur pour laisser cette famille éprouvée entre les mains du Seigneur, pour que lui-même, qui a donné et qui a repris, puisse consoler le cœur, pour que lui-même, qui connaît l'attachement de cette famille en lui, puisse remplacer les vides qu'il a créés. Yangonde, biso banso, tozo kende, nako, se, kosa, milazami. Tu connais la manière dont nos cœurs chagrinent de par la disparition de notre papa. C'est lui qui était tout pour nous. C'est lui qui nous donnait de l'amour. C'est lui qui nous prodiguait des conseils. C'est lui qui était le pilier de la famille. Il est parti. Mais qu'est-ce que nous allons faire, Seigneur, au devant de ta volonté? Et nous revenons vers toi, Seigneur, pour te dire comme Marie et Marthe, que si tu étais là, notre papa ne devrait pas mourir. Mais nous sommes sûrs que tu es là, Seigneur. Progéniture, si ces enfants, sur ces petits-enfants, mais plutôt que le Seigneur leur accorde la compassion divine. Prions le Seigneur. Pitié, Seigneur notre Dieu. Pitié parce que tu es Dieu de bonté. Seigneur, toi, tu es lent en colère, mais tu es riche en bonté. C'est de par ta bonté, Seigneur, que tu as pu relever Lazare de la mort, parce que toi, tu as appelé la mort au sommeil. Et nous te demandons, Seigneur, à tout moment que notre papa a pu trébucher, à tant qu'il meurt, regarde, Seigneur, ses belles œuvres. Regarde la loyauté de son travail qu'il a pu, Seigneur, abattre sur terre. Et aujourd'hui, notre papa n'est plus. Il a fini sa marche. Il a combattu son combat chrétien dont nous avons fait Aïcha dans notre chorale. Comme chrétienne, c'est de par l'éducation chrétienne qu'elle a reçue de la part de papa Vasila. Ne regarde pas, Seigneur, ses faiblesses. Il a pu avoir à ta terre à le sauver, à sauver toute l'humanité et à sauver Papa Massila pour lui accorder la vie éternelle. Et le dernier jour, nous espérons que nous allons nous rencontrer avec notre cher Papa dans ta gloire éternelle. Yamoné, du sauvant, s'autonomie, prends pitié, Seigneur Jésus-Christ. Ça frappe partout et nous avons besoin du réconfort, l'espoir encore de la vie à cette famille qui a perdu un pilier. Allons-y demander la force de l'Esprit Saint perdu. Prions le Seigneur. Viens, cher cet Esprit de Dieu, regarde cette volonté pour que ton amour puisse encore nous donner espoir de la vie, pour que toi-même tu puisses, Seigneur, remplacer les vides qui est créé dans cette famille. Papa est parti, mais toi tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant, tu es celui. Il est écrit que dire après cela, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment avec lui nous accordera-t-il pas toute faveur? Qui se fera l'accusateur de ce que Dieu a élu? C'est Dieu qui justifie. Qui donc condamnera? Le Christ de Jésus, celui qui est mort, que dis-je, ressuscité
qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, les grèves. Selon le mot de l'Écriture, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le long du jour. Nous avons passé par pour des brebis d'abattoir. Le partage des repas fraternels. Mais ce qui est important, c'est la parole de Dieu qui nous vivifie. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. C'est la parole de Dieu qui nous console. Vous le savez, le modérateur vient de le dire tantôt. Notre Seigneur Jésus-Christ, il était parti consoler Marthe et Marie qui avaient perdu leur frère Lazare. Et la parole qu'il avait prononcée, il a dit, je suis la vie, je suis la résurrection. Et le Seigneur nous dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors devant toutes les inquiétudes, devant l'angoisse, devant la douleur que cette famille est en train de ressentir, ensemble avec nous, qui avons fait les déplacements, on se lie, comme je disais, pour exprimer notre amitié, pour exprimer notre douleur, pour exprimer notre proximité vis-à-vis de cette famille qui est éprouvée. Jésus, notre Seigneur, l'avait fait. Le frère modérateur l'a répété. Jésus avait la compassion. C'est pourquoi, quand nous lisons dans la Bible, dans Jean chapitre 11, verset 35, qui est le verset le plus court de la Bible, la Bible est tout entière. Le verset le plus court, c'est Jean chapitre 11, verset 35. Jésus pleura. C'était pour témoigner cette proximité-là dont je viens de parler. Cette douleur, il y ressentait de la disparition de Lazare. Il en est de même, nous qui sommes venus ici, chacun de nous, avait perdu peut-être notre chair. Moi personnellement, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon papa, j'ai perdu des personnes chères dans ma famille. Je sais comment nous ressentons cette douleur. Nous savons comment ça fait très mal. Et le frère modérateur l'a bien expliqué. Shalom. Vous êtes indifférent, qu'est-ce qui se passe? Il est vivant. Il est ressuscité. C'est pourquoi la lecture que nous venons de faire de l'épître de Saint Jean, de Saint Paul, de Saint Jean-Paul, de Paul aux Romains, justement, il nous rappelle que rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Que ce soit les tribulations, que ce soit l'angoisse, que ce soit les guerres, que ce soit la mort, que ce soit la nudité, ni les principautés, ni les anges, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Cette disparition de notre cher papa, Pascal Massella, ne peut pas nous séparer de l'amour du Christ. Le Christ nous aime. Son amour est insondable, son amour est infini vis-à-vis de nous, vis-à-vis de notre famille. Ce soir, c'est une interpellation. Le Seigneur nous interpelle. C'est-à-dire devant toutes les tribulations, les angoisses, les maladies, les souffrances, cela ne peut nous séparer de l'amour du Christ. C'est pour dire que le Christ nous aime,
l'a appelé son serviteur pour qu'il aille se reposer. C'est pourquoi nous, les chrétiens, c'est une joie quelque part. Parce qu'il a combattu le bon combat. Maintenant, il attend son couronnement. Le couronnement de gloire. Le Seigneur lui-même va nous le couronner. Amen. Je ne voudrais pas être très long, mais je voudrais tout simplement dire que vous nous interpellez chacun de nous. Bonsoir tout le monde. Avant la prière, je voudrais donner un petit témoignage. C'est juste une coïncidence que je sois avec vous. J'ai connu Papa Pascal Massé là à Kinshasa. Souvent, j'allais lui rendre visite au niveau de Beaumarchais. Et j'ai appris avec tristesse sa mort. Et j'étais toujours en train de suivre les événements. J'étais en communion avec la famille. J'avais été invité ici pour la célébration eucharistique de demain. Et puis, les amis m'ont invité à venir dans cette manifestation de retrait de deuil. Et j'arrive ici, je vois sur le polo quelqu'un que j'ai connu. Je sais que c'est dur pour la famille, mais c'est quelqu'un que je connaissais bien. En tout cas, il avait un bon témoignage. C'est quelqu'un qui a manifesté beaucoup d'amour envers les autres. Je l'ai connu à travers la famille Massela, au niveau de Massina Mapela, là où j'étais curé. Et de là, nous sommes restés attachés. Et à chaque fois que j'étais en contact avec lui, il y avait toujours de bons conseils qui me prodiguaient. Et puis, il était vraiment quelqu'un qui connaissait le Seigneur. Donc, nous encourageons la famille, nous présentons nos condoléances à la famille, à Aïcha, qui est ici présente, et nous prions que son âme repose en paix. Nous allons maintenant prier pour la cérémonie et pour le repas. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour la vie de Papa Pascal Massela, que tu as rappelé auprès de toi. En ce soir, nous nous réunissons à sa mémoire et nous voulons partager cette douleur ensemble avec Aïcha, sa fille. Et que Aïcha et toute la famille Mansela, à travers ses gestes d'amour, puissent être consolés et retrouver encore le chemin de la paix et de venir le repas que nous allons partager ainsi d'amitié. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Notre sœur Aïcha, qui est la représentante ici présente, n'a pas le courage de prendre parole. Tellement apportée par la douleur, chagrinée, elle n'a pas le courage de parler. Et nous allons inviter Papa Crispin Mobanda pour nous donner à quelques mots la biographie de Papa Pascal Massela. Merci beaucoup. On behalf of Angelica Massela family, we would like to thank you all for being here. Thank you for your presence, thank you for your support, and thank you for all you are doing, you will do again for our family, especially for our sisters. Je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps. I won't gonna take longer. I just want to tell you guys briefly who was our dad, Pasco Massela. Massela Laka Ngaliema Kaungu Pascal was born at Asembo March 1st, 1929, dans le secteur de Yoso Lokwa. Territoire de Kioka, dans la province de Kiyulu. Marié à Madame Kokela Makoko Marie Christine et père d'une famille nombreuse.
Il fut fils de Michel Massella et de Véronique Mampilla, tous deux aussi déjà décédés. Il a effectué ses études primaires. Il a commencé ses études en 1947 jusqu'en 1954 à la mission protestante d'Ifuanzondo. En 1955, jusqu'en 1959, il a été à l'Athénée interracial de Kikwit. Et puis il a effectué des études supérieures. En 1960, il a fait des études de criminologie à l'école de la police de Matete. En 1994, il a étudié la science politique à l'école des officiers supérieurs. Je m'excuse, en 1994, il a étudié les sciences politiques et administratives à l'Institut supérieur des formations techniques de Kinshasa, comme expérience professionnelle. De 1964 à 1969, il a été commissaire en chef pour l'Union, chef du bureau, chef du personnel et police de ligne. De 1969 à 1957, il a été inspecteur général adjoint attaché à l'auditorat militaire général et à du chef de l'école. De 1975 à 1977, il a été notaire urbain, ancien combattant. Il fut administrateur général adjoint et puis administrateur général de la compagnie africaine Coreman. Si et si en cycle, de 1975 à 1986. Administrateur délégué et directeur général de la compagnie de commerce du Bandundu. Si et si bi en cycle, de 1986 à sa liquidation. Agriculteur et fermier à la ferme de Mbenzal et à Kinshasa Sélé à Idiofa. Activité parlementaire. Il a été élu 3 fois député national. Ce qu'on appelait à l'époque, dans les temps, commissaire du peuple. Au 3e, 4e et 5e législative de la 2e République. Après fusion, devenu député conseiller de la République, membre de la conférence. Il a été élu membre de la conférence nationale souveraine, CNS en sigle. Il fut également membre du Conseil national du PPRD, élu sénateur en 2007 jusqu'en 2019, lors de la première et deuxième législative de la Troisième République. Président du groupe provincial sénatorial du Bandundu. Activité dans le secteur privé, il fut président national de l'association de secrétaires généraux de l'administration publique. Il fut président national de l'Union de parlementaires du Congo, UPC en sigle. Décoré chancelier des ordres nationaux de Léopold en 1994. Voilà ce qu'a été Papa Pascal Massella, que nous célébrons, dont nous célébrons la vie aujourd'hui. C'est quelqu'un qui avait une vie très remplie, très enrichie, comme nous pourrons tous les constater. Tant sur le plan spirituel, intellectuel, professionnel. Yahweh, 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 Yahweh,
bana mai na swana wapi na songeli yo lisiba ya pomoi yonde opesa kinyanga musema eh na mukili boy moto na moto na mwali titi na eh kasi masia yo de makasi nanga lisiba bisika na swama kasi yo ya wena pesa lukumu na yo ya wena 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 ya wena 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 ya wena ya wena ya wena ya wena Molimo mosa, na ligi na boda masanzo li papa, masanzo yango kombo na ko Yesu. Kota abonnement éternel, na tiba assez de chica, pona ko sanzo la mon konsi. Yeah.
bandela eloko nyonso ya la boima bebisa mboya na ezape na ye moninga malamu soki nasalinga te motamba bota motamba apesinga second chance.